Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. Européenne. Chers amis, chers collègues, permettez-moi de vous appeler collègues. J'ai travaillé pendant des années comme vous, les nettoyeurs des chemins de fer belges. J'étais nettoyeuse aussi. J'étais une travailleuse louée d'une entreprise privée de sous-traitance dans le métro d'Athènes. C'est étrange comment l'illégalité des patrons, les politiques des différents gouvernements et de l'Union européenne rapprochent tellement de personnes qui se trouvent si loin les uns des autres. Ce matin, alors que vous, les nettoyeurs des chemins de fer belges, continuez votre grève pour la cinquième semaine, et vous essayez par des piquets de grève de la protéger, à Athènes, 5 parmi les 595. Une année et une lutte qui peut et qui doit se terminer par une victoire, ne serait-ce qu'une petite victoire. Et ceci grâce à votre contribution aussi. Vous devez savoir que vous contribuez aussi, vous devez y croire. Aujourd'hui, vous ici à Bruxelles, dans la ville pleine de fonctionnaires européens, de députés européens, de lobbyistes de la Commission, vous êtes en train d'exprimer votre solidarité doublement envers les nettoyeurs belges et les nettoyeuses grecques. Demain, dans le cadre de la journée internationale de solidarité envers les 595 nettoyeuses du ministère grec, des manifestations ont lieu aujourd'hui même dans plusieurs villes d'Espagne, de France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne. Il est important de sentir que nous ne sommes pas si faibles que nous le pensons. Si 14 nettoyeurs de la gare de Schaerbeek ont su faire face à des procureurs, à la police, à des amendes, à des briseurs de grève, à des menaces, si les 595 nettoyeuses du ministère de l'économie grecque ont obligé le gouvernement à se cacher, à expliquer, à dire qu'ils éprouvent de la sympathie envers les femmes qu'ils menaçaient. Imaginez ce que l'on pourrait faire si tous les syndicats européens, dans tous les secteurs, nous pourrions nous coordonner afin de défendre ceux qui sont licenciés, afin de protéger les droits sociaux, afin d'arrêter, de stopper la dérégulation des rapports sociaux. Il serait souhaitable, j'espère, que toute lutte, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle commence dans une petite... syndicats de la part des citoyens concernés dans toute l'Europe. J'espère que chaque personne licenciée, chaque réviste, chaque travailleur fait un petit pas de résistance qui commence une lutte, ne serait-ce que petite, que locale, que solitaire, une lutte pour la dignité, et bien elle doit très vite se rendre compte qu'il n'est pas seul. J'espère que nous pourrons faire un grand mouvement, un grand réseau européen de solidarité afin que l'Europe... Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même,